Good morgen, allez, Iden, et si sur aujourd'hui le Lonishmat, François Fajib Ben Khana, Janine Ruin, votre de Mazel Fitna, et Kosh Lomo Ben Shalom, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étudions ma secrète Kibushin Perek Bet, Mishnah Zain, Amekadesh Isha Ubita, O Isha Veachota, Ke Achat, Einan Mekudashot, Umaase Bechamesh Nashim, Ubaen Shte Achayot, Biliket Echad Kalkala Shel Te'enim, Veshela Hen Aita, Veshel Shevi'it Aita. ואמר הרי כולכם מקודשות לי בגלגלה הזו וקיבלה אחת מהן על ידי כולן ואמרו חכמים אין האחיות מקודשות. Dans une Mishnah qui va être un petit peu compliqué à expliquer étant donné que on va avoir une histoire complexe dans la deuxième partie de la Mishnah et où il y a énormément de sous-entendus et en plus de ça d'imperfections à rectifier. Alors accrochez-vous bien, ce que je vais faire c'est que je vais présenter d'abord les principes de manière claire déjà depuis le début de la première phrase. D'abord, je traduis la première phrase. Amekadesh Isha Ubita, ou Isha Veachota Keachat, Anan Mekudashot. Celui qui marie une fille et sa mère en même temps. Ou bien une fille et une femme et sa sœur en même temps. Keachat. Anan Mekudashot, les femmes ne sont pas mariées. Deux chidushim dans cette Mishnah, dans cette première partie. D'abord, bien évidemment, une fois que je marie une femme, je ne peux pas marier avec sa mère. Une fois que je marie une femme, je ne peux pas marier avec sa sœur. Mais tant que je ne les ai pas mariées, ben les deux le sont permises à moi. Pour le moment, je peux marier avec la mère, je peux marier avec la fille. Ce qui se passe, c'est que maintenant, dans une même action, je vais marier les deux en même temps. Alors sur ça, déjà, on a une première halakha qui va me dire « Kol she'eno bezeacharze afilu bevatachat eno » Puisque je ne peux pas, tout ce que je ne peux pas marier une après l'autre, si je veux les faire les deux en même temps, eh bien, ça ne marche pas. On ne va pas dire que maintenant, tu as réussi à les prendre les deux en même temps. C'est ça, soit tu prends celle de droite, soit tu prends celle de gauche. Et quand, dès que tu as pris celle de droite, tu ne peux plus prendre celle de gauche, celle de gauche, tu ne peux plus prendre celle de droite, mais tu ne peux pas prendre les deux en même temps. Si tu veux vouloir les prendre les deux en même temps, tu n'auras rien fait dans les mains. Ok, c'est clair. Ça, là, c'est la première donnée de base de la Mishnah. Ok. C'est même déduit d'un pasouk, ça. Tu ne peux pas prendre deux sœurs pour le rendre sa route en même temps. Et là, on apprend aussi pour toutes les autres incestes qui ne sont pas encore interdites à toi, mais qu'elles ne pourront pas devenir, elles pourront pas être acquises si elles vont devenir interdites en même temps qu'elles deviennent acquises. Ça, c'est la phrase primaire de la Mishnah. Il faut savoir même mieux que ça, et là je vous donne une introduction nécessaire pour la suite de la Mishnah, c'est que même si je vais faire mieux, si, alors maintenant, je vais rester sur les deux sœurs. Maintenant, si je donne de l'argent à une sœur en lui disant, je marie une des deux, je ne sais pas laquelle de vous deux, je marie une de vous deux. Je n'ai pas précisé qui. Alors là, il faut savoir que j'ai réussi à marier, si vous regardez dans la Gemara, mais la phrase est retenue que j'ai réussi à marier une. On ne sait pas laquelle c'est, je devrais donner un guet aux deux dans le doute. Parce qu'une seule, je peux marier. Même si concrètement, je me suis marié avec une, que je ne pourrais jamais avoir un rapport avec elle. Parce que maintenant, peut-être que c'est sa sœur, ma femme, et que elle, c'est ma belle-sœur, donc elle me devient interdite, un prix ou carrette. Donc dans le doute, je pourrais approcher aucune d'entre elles. J'ai marié une des deux, j'ai pris un chaleur, j'ai dit tiens, soit chaleur pour soi, l'équipe du Chine pour une des deux. Sans préciser ce que je veux, j'expliquerai ensuite. Une des deux, je la garde déjà. Ok? Eh bien, j'ai réussi à marier, maintenant, à marier une des deux. Je devrais donner un guet aux deux, pour pouvoir les permettre à se marier avec quelqu'un. Si toutefois, j'ai donné un chaleur en disant, je veux marier une des deux qui me sera permise, que je pourrai avoir, me vivre avec elle, et là, je me suis bleu fermé la porte, parce que comme je ne sais pas éclaircir laquelle des deux a été mariée, parce que quand tu maries une des deux, il y en a une des deux qui a... Imaginez que quelqu'un, il a deux champs. Je veux acquérir un de tes deux champs. Je te donne l'argent pour acquérir un de tes deux champs, il y en a un des deux qui m'appartient à lequel? On ne sait pas, ben, on est tous les deux associés, maintenant j'ai un champ parmi les deux qui est le mien. Dans les femmes, le côté monétaire de l'histoire, c'est le même principe. Tu as acquis la femme, il y en a une des deux qui est devenue la sienne. Tu sais pas laquelle, d'accord? En tout cas, si tu as précisé que tu veux une des deux, mais que tu as précisé une des deux qui te sera permise, c'est-à-dire le terme exact, si ça vous intéresse, c'est que j'ai dit, Imamar, Areoya, Mikem, Nebia, Mekudash, et celle qui sera apte à devenir ma femme, elle sera mariée à moi. Celle qui sera apte à devenir ma femme, tu donnes l'argent comme ça, mais les deux, tu te les as bloqués. Donc, soit elles ne seront pas aptes à devenir ta femme, puisque tu as précisé que tu la maries que si elle est apte à devenir ta femme, concrètement à vivre avec elle. Et bien dans ce cas-là, aucune des deux ne sera mariée. D'accord? C'était clair? Donc je répète, on a trois cas pour le moment. Je marie les deux en même temps, ça ne marche pas.
une des deux, ça marche, mais une des deux, Areouya Lebiya, qui est apte à devenir ma femme, là ça marche. Fin de la première partie. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah, je vous explique. Peut-être que je vous ai fait un peu trop peur en vous disant accrochez-vous. L'histoire, elle a l'air facile. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sous-entendus. Il va falloir faire du tri, en fait, entre deux parties de la Mishnah. Une partie qui va être en rapport avec les Chotchilites, et une partie de la Mishnah qui va être en rapport avec notre Mishnah. On va mettre un petit peu de côté l'histoire de la Juvite pour se concentrer sur l'essentiel de la Mishnah en rapport avec le mariage. Puis après, on précisera ce qu'il faut sur les Kedushin, les Rotachem. C'est ça qui est un très long partenariat. La Gemara, elle rallonge longuement pour expliquer pour plein de Yukim. Maoumaasé, il y a eu une fois une action qui s'est passée. Bechamesh Nashim, il y avait cinq femmes en même temps. Ou Ben Shtéachayot, parmi ces cinq femmes, cinq copines de classe, il y avait même deux sœurs en même temps. Et il y a eu Veliket et Chadmeh. Et il y a eu un Veliket et Chad Kalkala Shaltehim. Il y a eu un jeune homme qui est passé. Et qui a, Liket, il a cueilli de ce qui leur appartenait. Une Kalkala Shaltehim, il a cueilli, il s'est rempli un petit panier de Tehim, de figues. Veshelaen Aïta, et ça appartenait à elle. Veshel Jvit Aïta, et c'était des fruits de la Jvit. Donc je reprends la scène d'abord. Elles étaient les cinq, elles sont toutes les deux, cinq jeunes filles, propriétaires d'un terrain. Parmi ces cinq jeunes filles, il y en a deux qui sont deux sœurs. Je passe dans le coin, moi, le grand beau gosse, que tout le monde veut se marier avec moi. Je ramasse, je prends un panier, je ramasse comme ça des Tehim, et quoi? Et je dis. Et il leur a dit, « Arrête, kulchem mekouda shanti bekalkalazo. » Et j'en ai pris une, j'ai dit, « Viens là, toi. »« Arrête, toutes les cinq, vous êtes toutes venues mes femmes avec ce panier de Tehim. » Voilà l'action qui s'est passée, d'accord? C'est pas exactement la bonne phrase qu'il a dit, mais je vous expliquerai après pourquoi. D'accord? Donc, du coup, maintenant, il a voulu marier les cinq femmes. Waouh! Elles sont toutes d'accord, parce que lui, c'est le grand beau gosse du quartier. Et tout le monde veut se marier avec lui. Et tout le monde était très d'accord, et tout ça. Et il y en a une qui a pris les Tehim. Et puis, Vekibla Khatmen, elle est découlane. Et une, elle a pris le panier pour tout le monde. Allez, je vous marie. Qui c'est qui vient chercher? Vous voulez attendre? Elle regarde, elles sont toutes comme ça en train de rigoler. Et il y en a une qui va et qui prend le panier pour nous toutes. Et il y avait bien sûr deux témoins. Elles sont toutes venues, apparemment mes femmes. Maintenant, on a un problème, c'est que dedans, il y a l'histoire avec les deux sœurs. C'est surtout ça le grand problème de l'histoire. Vekibla Khatmen, elle est découlane. Va mourir Khamim. Sur ça, après, la scène, elle est passée ensuite devant les Khamim. Ouais, va mourir Khamim. Khamim, on dit, En Achayot Mikudashot. Les sœurs ne sont pas mariées. Donc les trois autres, elles sont devenues mes femmes, mais les deux sœurs, ne sont aucune des deux est devenue mes femmes. Voilà la scène grossièrement telle qu'elle est. Je reprends le cas avec un peu plus de précision. Venez, on laisse un petit peu de côté la nuance du panier de Jvit avec ça leur appartenait, ça fait que de compliquer l'histoire. On laisse ça de côté pour le moment. Imaginez que c'était, pour le moment, j'ai pris des fruits du FKR, comme ça on est tranquille, on a résolu tout le problème. J'ai ramassé comme ça un panier de Téna, j'ai repéré les 5. Vous voulez venir mes femmes? Elles sont là, tété. Et puis quoi? Et je dis, allez, viens, toi. Allez, vous 5, vous êtes mariés avec moi sur le panier de Téni. Maintenant, la problématique, il est que dans les 5 femmes, il y a deux sœurs. On a dit que deux sœurs, je ne peux pas les marier. Si je dis tout ensemble, vous n'êtes pas. Je ne marie pas les sœurs. D'accord? C'est comme Kulchem. J'ai voulu marier les deux sœurs, elles ne peuvent pas venir. Vous allez me dire, bah, très bien, alors marie au moins les autres. C'est ce que la Mishnah semble dire. Que ça marche, que les trois autres elles sont mariées. Sauf que sur ça, il y a déjà une erreur. Parce que dès que j'ai dit le mot Kulchem, tout ensemble vous êtes mariés, c'est soit tout, soit rien. Et donc dans ce cas-là, je ne marie pas que ce qu'il faut, ce que je peux récupérer. J'ai dit vous cinq. Donc il ne faut pas dire que j'ai dit Aré Kulchem. Il faut justement, parce que ça c'est une histoire que quand j'ai dit Kniat Vechamor, c'est une souga dans la question de Vatra qui est évoquée ici dans Kiddushin, que si je veux acheter. Je marie une femme et acheter un âne avec une pièce. Mais je ne peux pas marier, acquérir l'âne, je ne peux acquérir que la femme ou la femme que l'âne. Ce que tu as voulu, dès que tu as dit que tu veux acquérir tout un ensemble, tu ne peux pas prendre la moitié. S'il n'y a que l'ensemble qui fonctionne et l'autre ensemble qui ne fonctionne pas, eh bien même la moitié ne marche pas. Ok. C'est une grande soubia et on ne rentre pas trop dedans, jusque concrètement, là, puisque j'ai dit tout ensemble je vous marie, et il y en a deux qui ne sont pas aptes à se marier, donc aucune ne se marie parce que j'ai dit tout. Donc. Je veux dire qu'en réalité, j'ai dit, Arouyamikem, mes coups de châtelet. Celle qui est apte à se marier avec moi, à se marier, à ensuite vivre avec moi, alors elle sera apte à se marier. Dans un cas, j'ai dit, ça peut être chacune indépendamment, ça peut être toutes les cinq, tout ce qui est possible à concrétiser ensuite. Concrètement, maintenant, donc les trois étrangères, elles peuvent se marier avec moi. Les deux sœurs,
aucune des deux, parce que même si, puisque concrètement, je ne pourrais marier même pas les deux, il n'en est pas question, parce qu'elles vont toutes les deux devenir interdites, même une des deux une des deux de manière indéfinie, puisque c'est indéfini, je ne peux pas avoir de contact, de rapport avec elle. Dans ce cas-là, les deux, elles sont exclues, et il ne me reste que les trois autres. Ça, c'est la base de notre Mishnah. C'était clair pour le moment? Donc, je répète, quand il y a écrit « Arekulchem et Kudashatli », vous êtes toutes mariées, il ne faut pas dire que j'ai dit qu'elles sont toutes mariées, parce que si elles sont toutes mariées, alors là, de dire que les sœurs ne sont pas mariées, c'est inexact, parce qu'en réalité, il n'y a aucune des femmes qui est mariée, parce que j'ai dit toutes. Donc, il faut dire que j'ai dit « Arouya Mikem », celle qui est apte à avoir un rapport avec moi, elle sera mariée. Et dans ce cas-là, les deux sœurs, elles sont exclues. Ça, c'est la partie essentielle de la Mishnah. Maintenant, je reviens sur l'histoire de la Juive. Alors là, ça devient super compliqué. Pour préciser un peu plus, on a dit que c'était 5 sœurs, 5 copines qui étaient associées dans un champ, mais que c'était une année de Juive et que j'ai pris les fruits et je leur ai donné. De toutes ces précisions, Chachamim apprennent plein de choses. C'était la scène, elle s'est présentée comme ça. Et puisque on a dit que ça a marché, les Kiddushin, pour qui ça peut marcher en tout cas, on apprend de la plainte de Halachot. La halakha la plus élémentaire d'abord qu'on apprend, c'est par rapport aux fruits de la Juive. Que si jamais je viens chez toi qui a un champ pendant l'année de Juif, je cueille des fruits, c'est ton champ, je cueille des fruits, je les prends et je les dis, tiens, je te marie ta fille avec une TNA et tu la prends, eh bien, c'est ta fille, je peux marier ta fille ainsi. Pour quelle raison? Parce que les fruits de la Juif, ils sont FKR, et quand je les acquiers, ils deviennent ma propriété, et si ça vaut une prouta, eh bien, je te le donne. Et tu as reçu une prouta de ma part. Et ça marche. Mais on va pas dire que non, mais si c'est le propriétaire, ça lui appartient. Si c'est le propriétaire, mais ça ne lui appartient pas pendant l'année de la Shemitah. Ça ne lui appartient pas pendant l'année de la Shemitah, donc c'est FKR, je peux les prendre. Il y a un autre idouche. Je les prends, mais peut-être que ça ne devient pas les miens. Peut-être que quand je les ai dans les mains, c'est FKR, pas du tout. Quand je les prends, ça devient les miens. Ça, c'est un grand idouche qui a eu trop de Shemitah. Premièrement. D'accord? Donc même si c'est ton champ, je peux prendre un fruit de ton champ, l'acquérir et l'utiliser pour te le donner en guise d'argent. Et comme ça, ça fonctionne. Ça marche, j'acquiers de la sorte. Maintenant, la précision de la Mishnah de me dire qu'il a pris une kalkala shelteinim qui était à eux, mais que c'était l'année de la Shemitah, on apprend une autre halakha. Que c'était à eux, c'était l'année de la Shemitah. Donc si c'était à eux, mais c'était pas l'année de la Shemitah, ça n'aurait pas marché. Parce que ça leur appartient. De là, on apprend une nouvelle halakha. On apprend une nouvelle halakha que si je te prends maintenant. Je suis invité chez ma fiancée, qui a très envie de se marier avec moi d'ailleurs. Et puis d'un coup, je prends une bague à elle et je dis, allez, je te marie, arrête mes coups d'échatli. Et je lui donne la bague, elle ne sera pas mariée. C'est quoi le chidouche de cette Mishnah, de cette halakha-là? Le chidouche, c'est qu'on aurait pu croire qu'elle a tellement envie de se marier avec moi qu'au moment où je le prends, alors c'est vrai que je l'ai volé, parce que ça lui appartient à elle, et qu'elle ne me l'a pas donné, et que je lui donne ensuite. On aurait pu dire qu'elle accepte d'être mochelet. Elle me le fait cadeau. L'essentiel, c'est qu'elle se marie vite avec moi. Eh ben non, ça ne marche pas. Elle ne sera pas mariée de la sorte, parce que tant qu'elle ne me l'a pas donné, je suis un voleur. Ça, c'est la deuxième halakha qu'on a appris. C'est pour ça que la Mishnah nous a dit, c'était à elle, mais c'était l'année de la Shemitah. Donc, plus c'est l'année de la Shemitah, c'est FKR. Donc, c'est à elle, ça ne dérange pas. Mais en temps normal, si c'était à elle, ça ne va pas marcher. Ça, c'est le deuxième point qu'on a appris. Et le troisième point qu'on a appris, c'est que la Mishnah a insisté en me disant, il y en a une d'entre elles qui a reçu les kiddushin pour tout le monde. Et le kiddush, il est que même lorsque je vais marier deux femmes, et qu'en général, quand on marie deux femmes, vous savez, les co-épouses à l'époque, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu le chérum de Rabbi Gershom, qu'un homme ne se marie pas avec deux femmes, parce que ça fait des fois des disputes, que ça peut aller jusqu'à qu'une, elle va se soucier d'éliminer l'autre. Je n'ai plus les détails du chérum de Rabbi Gershom qui s'était passé avec ses femmes, mais il avait deux femmes et ça avait fait des problèmes terribles. Et suite à ça, il a instauré que, du coup, ça implique surtout les Ashkenaz, pas les Sparades, mais il a instauré que j'ai les Ashkenaz, qu'on ne se marie plus avec deux femmes, parce que, enfin, on aurait fait les dégâts. Et du coup, en tout cas, à l'époque, c'était permis de se marier avec une femme, pour les Sparades, c'est encore permis de se marier avec une femme, et là, on aurait pu croire qu'une femme qui reçoit des Kiddushin pour elle et pour sa co-épouse, lui mari, quoi, et bien qu'elle n'accepte pas de faire la Shlichut. La Mishnah me vient m'enseigner qu'effectivement la Shlichut fonctionne. D'accord, on a fini d'apprendre la Mishnah, bon prochain. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov U'Seelah.